Alors je vais vous montrer le prochain. On va faire 3 matchs aujourd'hui. Je vais vous montrer. Désolé pour le truc. On fait 3 matchs. Premier match, on va jouer contre Anderlecht. Premier match Anderlecht. Après, on joue Cologne extérieur. Cologne, on joue le Cologne extérieur, le 6ème. Et le Hertha Berlin à domicile, 15ème. Et ça, c'est pour le prochain épisode. Ce sera extérieur. Le prochain épisode, ce sera eux. Francfort. Lasic. Francfort et Lasic. Au classement, on montre le classement. On est 9ème avec 14 points. D'accord. Allez, premier match, on y va pour le premier match. On joue contre Anderlecht. On est à domicile. Face au Anderlecht. Mais normal. Les follow, voilà. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, ok. Bon, déjà, on a. Alors, lui, il veut partir. Christopher qui écarte avec l'Autriche. Ça, lui, en sélection avec. En sélection. Ça, normal. Alors, on est en novembre 2021, les gars, avec cette carrière. On est en novembre 2023, 2021. Pourquoi je dis 23, moi, n'importe quoi. Ok. Alors, Roma contre eux. Voilà, Roma gagne 4-0 contre ça, eux. C'est en conférence League, ça. Elle est critiquée lui. Bon, Andreas, qu'on va le critiquer parce qu'il a 34 ans, mais tu as travaillé le Andreas. Elle lui pose des joueurs là. Ah, il est pas bon, il est en combien? C'est moins, c'est pas ouf. Voilà. Et on y va pour alors, Robin et Bastien qui peut jouer 45 minutes. Alors, on y va pour le premier match, on joue contre. On joue contre Anderlecht à domicile. La tactique, on change de tactique parce qu'on change de nouvelle tactique, les gars, parce qu'on va voir ça. Bon, ben, il peut jouer. Voilà, on y va pour le premier match. On joue contre. Premier match, on joue contre. Voilà, on y va. Vous avez vu, c'est bon la tactique. Hein. Allez, on y va. Pour le premier match face à Anderlecht, on est à domicile en plus. Mais voilà, on est à domicile. Alors, faut que je fasse. Bon, côté aujourd'hui, on va demander de conquérir les joueurs. Allez, là ils sont contents, tu vois, ils sont contents du tout. C'est parti, on voit ça. Micro, je le mets plus haut. Je vais dire ça. Allez, allez, on est à domicile. On est à domicile. Face à cette équipe de. On est à domicile face à Anderlecht. Ils ont une belle équipe. Pour l'instant, on est 6, ils sont premiers avec 9 points, ils ont 6 points. On a 6 points parce que normal, c'est dessus parce que, voilà, par exemple. Allez. Allez, on va demander plus pour ce premier match. C'est parti, on demande plus. C'est parti. Let's go. C'est bien. Tiens, il perd le ballon lui. Il jouait à pour le contrer, la frappe a été contrée. Le centre s'est dégagé. Putain, par la défense de d'Anderlecht. Le centre s'est dégagé. Faire assez écarté, putain, par le défenseur d'Anderlecht.
jouer ça. La frappe de Max, c'est contré, ce serait une touche. Ouais, Max qui voulait tenter sa chance. Allez, premier corner. Pour cette équipe de... Bon, premier corner, on est à domicile en plus parce qu'on est à domicile. Le corner, à pied, s'est dégagé. Ouh, la frappe de Christopher à l'arrêt du gardien, c'est pas fini. Est-ce que ce ballon qui gira pour Max, c'est trop fort ce ballon. Un peu trop fort, putain. Le ballon est un peu trop fort. C'est bien joué ça. Oui, il est passé si bien, Ricky. Allez, pour Keita dans les bras du gardien. C'est un bon ballon, ça. C'est un très bon ballon, ça. Dommage. Et ouais. Allez, le centre, Théo, dans la tête, Théo, dans les bras du gardien. Putain. Il a pris un carton, lui. Bien, Andreas, tranquille. Tacle moins, toi. Tacle moins, s'il te plaît. Je vais pour Keita, pour Max et la rue du gardien. Ce sera un corner pour le Union Berlin. Toujours 0-0. On va te pousser. Le Christopher s'est dégagé. Putain. Ah, le vin mal donné. Là, c'est perdu. Il y a le retour de Keita, si bien. Oula, par Andreas qui fait sa parade, ce sera un corner pour Anderlecht. Et voilà, le but nous fait mal, le but de Zenski, l'ancien du prêté par le Bayern Munich. Et ça fait 1-0 pour Anderlecht. On perd 1-0 face à un coup arrêté. 1-0 pour Anderlecht, il nous fait mal ce but du joueur. Il peut rien faire, et voilà, poteau rentre, on perd 1-0. C'est chier ça. Kitty qui opère 1-0 face à Anderlecht, c'est très fort Anderlecht. Hein. En plus son premier du groupe. Hein. Et ouais. Ah, vous avez, j'ai vu ça. Là je vais faire un truc. Je vais peut-être tenter un truc. On va peut-être faire un truc. On va faire coupier arrêté. On va centrer de force parce que voilà. Passe rapide. Peut-être jouer marquage engagez-vous plus, mais voilà. Allez, toujours, on fait pour l'instant, on perd 1-0. Et vas-y, pas le ballon, lui. Putain, il prend pas le ballon, c'est pas possible. Pour l'instant, putain, pour l'instant, on est deuxième. Ouf, oh, la frappe de Levin qui tire à côté. Putain, c'est raté sa frappe. Eh, sérieux. Max est trop fort pour Théo dans les bras du gardien. Dommage. Ouais, mais le skin il est pas ouf. Mais je sais pas qu'est-ce que je vais peut-être changer de skin après parce que le skin j'ai pas habitué encore. Joue le 20. Théo le 20. Allez, faut centrer mon gars. Ah, t'es hors jeu. T'es hors jeu, mon gars. T'es hors jeu. Faut se tenir hors jeu. Putain. Bien qui dira qui récupère si bien. Mauvaise passe de Keita pour Théo, c'est mal donné ce ballon.
Ouais, la tactique elle marche bien, mais on n'aurait pas trouvé la faille sur l'assassin d'une grosse équipe d'Anderlecht. Mais Anderlecht c'est une belle équipe hein, de Belgique. Avec Aïta pour le 20. Oh putain, il a tiré comme ça lui. Oh là 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 là, c'est pas possible. Aussi bien joué ça. La frappe de Levin et l'arrêt du gardien. Là, il a tenté sa chance. Mais l'arrêt du gardien d'Anderlecht. C'était bien joué. Corner. C'est dégagé. Putain. Le centre. C'est dégagé. Putain. Ah, c'est quoi ce centre? Putain, c'est quoi ce centre que tu mets là? Putain. Jouer ça. Allez, corner. Toujours 1-0 pour Anderlecht. Le corner, ah, c'est dégagé. Putain. Est-ce qu'on se ballon donné là? Oh, c'est pas possible. Ouh, la frappe au-dessus, enfin qu'il attire au-dessus, ben Anderlecht, il faut que je compte les joueurs d'Anderlecht parce qu'ils sont supérieurs à nous. Hein. Il faut que je compte les joueurs. Déjà le 20, il est déjà fatigué. Le centre de Christopher Max, c'est un peu dans les bras du gardien de Anderlecht. Dommage. Hein. C'est bien joué. Allez. La frappe de Levin, il arrête du gardien, il est dans sa chance. Et l'arrêt du gardien d'Anderlecht. Dans sa chance. Hein. Le corner, la tête de Ricky et l'égalisation. L'égalisation. Est-ce qu'il y a but de Kidira? 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 On va voir s'il y a but. Est-ce qu'il a accordé le but de Kidira? On va voir. Ah, il est hors jeu. Il était hors jeu, Kidira. Posture de hors jeu. Il était hors jeu. Il était hors jeu. Ah, il est hors jeu. Il était hors jeu. C'est pas ça que je voulais faire. Parce qu'il était hors jeu, qu'il dirait, il était hors jeu. On voulait devenir au score, mais il était hors jeu. Allez, Keïta, allez. Sur ce centre, c'est dégagé. Jouer ça. Le centre était où? L'arrêt du gardien de Anderlecht. Anderlecht nous sort un arrêt. Et corner pour Anderlecht. Pour nous, bah, Anderlecht a fait des arrêts, mais. Le corner, ah, c'est dégagé. Est-ce qu'on se sent à hors-jeu? Putain, hors-jeu. Bien, Melville qui carte le danger. C'est ballon donné. Levin qui voulait tenter sa récupération, mais c'est perdu. Ça, c'est bien joué, Ricky. Ouais, trop fort ce ballon de Keita pour Max, c'est un peu force. Putain, dommage. Ça, c'est bien joué. Le centre de Christopher s'est dégagé. C'est pas fini. Le centre de Keita, égalisation. Est-ce qu'il y a but pour Théo? Est-ce qu'il y a but? Est-ce qu'il y a but de Théo? Est-ce qu'il y a but de notre attaquant? Est-ce qu'il y a but pour Théo? On va voir s'il est accordé le but. On va voir s'il est accordé. On va voir s'il est accordé le but. Ouais. Égalisation de Théo. On répond présent, un partout. On égalise. Face à Anderlecht. On trouve la face si bien. Regardez le centre de Keïta pour Théo. Et ça fait égalisation, un partout. Bien joué les gars. On égalise. Face à Anderlecht, c'est parfait.
Il était pas hors-jeu, hein. Regardez, il était pas hors-jeu. Regardez le centre de... Ah, il est pas hors-jeu. Il est pas hors-jeu. Il était pas hors-jeu. Ça fait un partout, on égalise face à Anderlecht, c'est parfait. Et en fait, ça fait un partout. Parfait. Ça joue bien. Bien, Kedira. Au tacle, ça. Mais jouer Keita. Ah, ça sera un corner. Bon, pour l'instant, on réagit face à Anderlecht. On réagit un partout. On réagit. Très bien. Christopher, c'est dégagé. Allez, Max. Allez, il perd le ballon. Putain. Bien le retour, c'est bien. Ça, c'est un peu fort pour Kedira. Kedira la passe pour l'autre, c'est un peu fort. Ça, une touche pour Anderlecht. Et 8 ans, 1 partout. C'est très bien. 8 ans, c'est pas mal. Hein. C'est quoi ça? Ah ouais, c'est les remplaçants, d'accord. C'est ça. Ah ouais, ça, les remplaçants, d'accord. Bon. Non, vestiaire. Alors, vestiaire. Vestiaire, c'est où? Je vais dire quoi? Bon, content. Je suis content de vous, hein. Bon, déjà, est-ce qu'il y a des gens fatigués dans l'équipe? Non, ça va, il n'y a pas de gens fatigués, ça va. Ouais, on y va. Allez, deuxième période, on va encore en seconde période. Allez, on va encore demander plus, on met toujours un partout. On réagit face à Anderlecht, on réagit bien. Est-ce que ce ballon là? Teriga, il met un 0 face à l'équipe de Kazakhstan. Il met un 0, Riga. Excusez-moi. Ça va pour le coup franc, c'est au-dessus. Pour Christopher, c'est au-dessus. Il fallait marquer deuxième but, c'est dommage. Pour Christopher. C'est bien joué, Ricky. En fait, on fait un partout, mais il reste deux matchs parce qu'il reste deux matchs parce qu'on va faire deux matchs parce qu'on va on joue après on joue Cologne à l'extérieur parce que ce sera le match contre Hertha Berlin. Ah, Théo, c'est mal donné. Mal donné ce ballon. Bien récupéré. Allez. Le centre de Keita contré. Ce sera un corner pour l'Union Berlin. Le corner, c'est dégagé. Putain. Allez, la touche. Et je veux le 20. Allez. Le centre et la tête de Keita dans les bras du gardien. Il a fait marquer le deuxième but, Keita. Putain, c'était bien joué, ça. Ça, c'était bien joué, ça. C'était bien joué. Allez. Et il y en a un qui dira. Allez, les gars. Ouais, ben il donne un arrière parce qu'on prend de risques pour les relances. C'est bien joué. Bien joué qui dira. Allez, oh, la frappe au-dessus. Oh là là, quelle occasion qu'on rate. C'est au-dessus. Dommage. Le centre est hors-jeu. Putain, il est hors-jeu. Il est hors-jeu. Il est hors-jeu, Christopher. Dommage, il est hors-jeu. Ça, c'est bien joué, Melville. Ça, c'est bien joué. Ah, Christopher, c'est bien. La passe était bonne, hein. Centre de Levin et le but de Max qui en prend l'avantage face à Anderlecht. Et là on fait exploser Anderlecht, 2 buts à 1, but de Max. Ce bande de Levin pour Max et 2-1 pour l'Union Berlin face à Anderlecht. Très bien joué ça. Ballon de Christopher pour Levin qui fait un bon centre et Max qui trompe le gardien d'Anderlecht. On met 2-1, on prend l'avantage face à Anderlecht. 2 buts à 1. Très bien joué.
Et en fait, si on passe maintenant premier avec 9 points, égalité avec un direct, 9 points. C'est parfait. C'est très bien joué. Frappe et contrée, c'est Melvi qui a le danger face à un joueur prêté par le Bayern Munich. Est-ce que ce ballon donné là? On a joué Keita. Pour Théo, le Théo et le triplé de Théo. Et on prend l'avantage 3-1. Théo qui fait le break 3-1. Pour le Berlin. Face à Anderlecht. On va exploser Anderlecht. 3-1. Le ballon piqué de Théo. Ouais, belle passe de. Regardez la passe des bons. Belle passe de Keita qui est entré mon ballon à Théo qui fait un petit lob, un blanc piqué. Et on mène 3-1. Face à Anderlecht, 3-1. Le break est fait. Face au Belge. Et encore félicité. 3-1. Parfait ça. Très bien joué ça. Bah, c'est bien les gars. Très bien. Ah bien Kedira qui arrête le danger, Kedira, c'est bien Kedira qui fait un très beau ballon. Attends, je vais faire des changements. On fera un changement après, on fera des changements juste après. Bien joué Keita. Max. Max pour Théo. L'arrêt du gardien. Il n'y a pas marqué doublé, Théo. L'arrêt du gardien d'Anderlecht. Ce sera un corner. Le corner s'est dégagé. Putain. Attends, je vais faire des changements moi-même. Attendez, je vais faire des changements. Un petit changement. Il me propose qui là? Il me propose Melvin. Bah, Melvin va rester. Qui va sortir. Qui sort là? Bon, mais je vais pas sortir Melvin. Alors, je vais. Qui va faire un changement? Bon, pour Kedira, on va sortir en faire entrer. Kedira en faire entrer. Ken qui va rentrer. Ouais, Palmol va sortir. Je vais tenter de faire entrer le petit. Non, Kevin, c'est un droitier. Non, c'est Kevin qui va rentrer à droite. Bon, on fait deux changements. Donc, on fait deux changements. Bon, on fait petit deux changements. Parce qu'on mène 3-1. Mais c'est normal. Oh, le retour de 20. Il y a Andreas qui sort sa parade. Ce sera un corner pour Anderlecht. Très bien joué, les gars. Toujours 3-1. On fera des changements après à la dernière changement. C'est dégagé par le défenseur. C'est bien écarté. Dégagé par le 20, carte de danger, c'est bien mon ailier. On est pour l'instant premier. Christophe, pour le coup, France est dégagé. Putain, dégagé par la défense. Bien joué ça. Allez, Keita pour Théo. Théo, il arrive. Est-ce qu'il y a but? Est-ce qu'il y a but? Est-ce qu'il y a but de Théo? Est-ce qu'il y a but? Est-ce qu'il a accordé le but de le 4-1? On va voir. Et c'est hors jeu. Il est refusé par Théo qui est position de hors jeu. Il est hors jeu, Théo. Il voyait marquer son triplé. Son doublé, pardon. Il est position de hors jeu. Il est hors jeu. Il est hors jeu. Il est hors jeu. C'était dommage ça. Vous voyez, oh, attends, c'est pas ça que je voulais faire. Putain, je voulais me dire calmez-vous. Je vais dire calmez-vous, les gars. Calmez-vous, je vais dire. Je vais faire un changement. Qui sort là. Bon, Keita qui est fatigué. Bah, je vais le 20 à sortir. On fait rentrer. Le bon qui va rentrer. Keita, je vais faire rentrer. Je vais faire entrer des changements. Christopher qui fatigue aussi. On fait entrer Tino. On fait des changements parce qu'il est déjà fatigué.
Allez, on fait triple changement, c'est des joueurs fatigués de mon équipe. 3 buts 1 toujours face au gros Anderlecht. Joué Théo, c'est bien. Bien joué Max, c'est trop fort ce ballon. Ah, le retour du défenseur, c'est bien. Putain, c'est un camp écarté. Oh, le retour de Ricky. Bon match de Ricky qui fait son match. Ah, c'est quoi ce ballon là? Bien, c'est Bettino. Ah, Tino qui perd le ballon. La frappe au-dessus. Bah, Tino qui joue à droite parce qu'on a sorti Christopher qui est fatigué. Et Melvi qui garde le danger. C'est bien. Bien écarté. Ah, Théo qui fait son retour. C'est bien. Un joueur fatigué. Je sais qu'il y a des joueurs fatigués. Encore, putain. Allez, les gars. Oh. C'est bien ça. Bien joué. Le centre s'est contré. Ce serait un corner. Toujours 3-1. Le corner s'est dégagé. C'est quoi écarté par le défenseur. Allez. Ah, centré contré, c'est contré. Putain, il récupère tous les ballons en derlec. Attends, je gagne du temps les gars, on mène 3 buts 1, on gagne du temps parce qu'on mène 3-1. On va gagner du temps parce qu'on mène 3 buts 1, on est à domicile en plus, on gagne du temps parce que c'est vraiment normal. Jouer qui c'est bien. Et Kevin a du mal, côté gauche. Et ouais, Kevin a du mal. Hein. Ouh, Andreas qui fait sa parade. Ce sera un corner pour Anderlecht. La tête au-dessus de Hodgson au-dessus du côté d'Anderlecht. Mais ils sont dangereux cette équipe d'Anderlecht. Déjà, il y a deux buts refusés. Côté Nuberland, il y a deux buts refusés par Kedira et Théo. Il y avait deux buts refusés. On menait 5 buts à 1, mais là, on n'a que 3-1. Est-ce que ce ballon donné là? Bien joué Théo. Allez, allez Max pour le 5 buts 1. Oh regarde la balle du 5 buts, du 4 buts 1 Max. Oh là là, balle de 5 4-1. Dommage pour Max qui avait la balle du 4-1. C'est à côté. Allez Kevin, ah, c'est m'a donné. Putain. Putain, excusez-moi pour le gros mot. Allez. C'est bien joué. Ça, ah, il est hors jeu. Il est hors jeu, il est hors jeu, il est hors jeu. Il est hors jeu. Dommage. Le coup franc, oh, putain, c'est au-dessus. Oh, quelle occasion qu'on va de 4-1, c'est au-dessus. C'est à côté, dommage. Il reste 10 secondes. Allez, plus de 10 secondes, on va gagner 3-1 face à Anderlecht, la revanche. Retour de Ricky face au joueur d'Anderlecht, c'est terminé et c'est la victoire 3-1 face à Anderlecht, belle victoire 3 buts 1, parfait ça, bien les gars. Je vais dire bras écartés, belle victoire 3-1 face à Anderlecht, c'est parfait. Belle victoire 3-1. Vous avez un kit de votre équipe sur donc. Ouais bon honneur c'est parfait. Victoire oui. Oui c'est une bonne plan de jeu.
Le but, bien sûr, on était bon. Alors les retrouvailles, Riga gagne 1-0, Riga gagne 1-0 à l'extérieur. Bon, pour l'instant, on a une égalité, regardez. 9 points, 9 points, 6 points et 0 points. Ok, allez, c'est parti. Alors, on va voir ça. Compagnie, on a perdu contre Compagnie. On a gagné contre Compagnie, l'entraîneur de l'ancienne City. 500K pour la victoire. Et Keita et Itou, très bon. Il a 23 ans, mon gars, le japonais, très bon. Il a fait une passe. Ok. Et là, on va jouer contre Colonne. On va jouer Colonne extérieur pour le deuxième match. Colonne à l'extérieur, ils ont 6e du championnat. Colonne 6e. Il faut les taper, cette équipe de Colonne chez eux. Et voilà. Alors, Pellegrini s'est fait renvoyer par le Bétis. Salut. C'est quoi le machin, le skin 25 janvier? Faut jouer le 25 janvier, 25 24 décembre. Faut jouer. Attends, je vois juste un truc sur l'ordi. Attendez les potos, attends, décembre, tu m'as dit. Attendez, je cherche un truc. Attendez, je cherche juste un truc. C'est ça, non? 25 janvier. Juste un truc, je cherchais juste un truc. Je sais pas où est le skin, je vais peut-être changer un truc. Peut-être effacer un truc, attendez, juste échanger de trucs, attendez. Putain. Attendez, juste un truc. Attendez. Je vais le 24 janvier, il dit pas. Attendez. Ah, celui-là, 22 décembre. Écarter le nombre. Attends, je vais tenter de changer le skin parce que. Excusez-moi pour le truc. Putain. Ouais, mais je sais pas, il m'a parlé des trucs, il a parlé des scores, hein. Je sais pas. Attends, je vais regarder. On va regarder. Ouais, qu'est-ce qu'on fait là? C'est bon, regardez ça. Ah, c'est pas le 22 décembre, c'est vieux ça. Je vais aller sur Discord parce que je sais pas comment je vais trouver la scène skin. Ouais.
Écosse. Ouais, faut que je retrouve l'ancien skin. C'est quoi ça? C'est le truc ça. Mi-janvier. Et celui-là le 22 janvier. Putain, je vais tenter. C'est pas ça, putain. Ah ouais, c'est le même truc que t'as mis 22 janvier. J'ai pas voulu lancer un skin. 23 janvier. 25 décembre. C'est peut-être ça le skin 25 décembre. Peut-être c'est ça que j'installe. Oh là là, que j'ai fait là. C'est toujours le même truc. Ah ouais. Ah, c'est toujours le même truc. Et ouais, c'est toujours ça a changé. Et ouais, ça a changé, je crois. Ça a changé, je crois. C'est celui-là, le 6 janvier 2021, c'est ça. Enfin, c'est ça le mois de... Attends. On a 10,84. Attendez. Enfin, c'est ça, attendez. C'est un peu long, le machin, c'est un peu long parce que je suis en train de faire changer le truc parce que... Je sais pas. Si j'ai envie d'enlever les trucs. C'est quoi ça? Ça. Ah, je peux pas enlever ça. Ah ouais. Le pink. Et on peut pas. Attendez. Attends. Ah putain. Défense. C'est quoi ça? Ça c'est quoi? C'est toujours les mêmes trucs. Ouais, c'est toujours les mêmes trucs. Ça a changé. Ça a changé, je crois. Que ça a changé. Décembre, y'a pas un autre skin qui me propose là. Attends. Il y a que ça. Ils ont tout changé, ils ont tout réglé. Ouais, ils ont tout réglé, je crois. Ouais, je vais laisser comme ça. Je vais tenter de laisser. Je vais peut-être laisser comme ça le skin. Je vais laisser comme ça. Ça a changé parce qu'ils ont tout changé, je crois. Allez, rencontre Leipzig Dortmund, qui gagne? Bon. Bon, Keita qui est très bon entraînement, il y a 23 ans, on va le féliciter. Fablo Schneider qui est très bon entraînement, tout comme le Polonais, bah, Cédric, on va le critiquer parce qu'il a que 24 ans. Voilà. Et la tactique, on est-ce que la tactique, c'est deux tactiques, mais voilà. Mal ça. C'est Dortmund 5 buts à 2 à Leipzig. Dortmund gagne 5-2 à Leipzig. Dortmund c'est très fort. Hein. On est 9ème. Et Cologne ils sont 6ème. Alors on a quoi là? Alors on a la compo. La compo, une pose des changements. On fait des 4 changements. Il propose de faire entrer Tino à la place de Melville. Il va remplacer Tino. Ricky à la place de Robin, lui à la place de Nico et Max à la place d'Andreas. On fait des changements, on fait peu tourner. Est-ce qu'on est favori? Non, c'est Colonne qui est favori. On est, voilà, lui qui a fait, qui était très bon avec l'équipe. Ouais, le skin il est pas mal, mais regardez, mais je peux regarder ce skin là parce qu'il est pas mal et tout, mais. Je vais mettre l'ancien skin que j'ai mis tout à l'heure. On va regarder celui-là parce qu'il est bien. Il est pas mal.
France de presse, Nigeria, bon, on va se répondre aux questions journalistes. Ouais, 5-0. Oh putain. Bon, on prend 100%. Ouais, je vais dire. Ouais, c'est pas pour le match. Ouais, on est bien pour le résultat. Ah, c'est vrai que lui, il est fatigué parce qu'il a tout donné. Christopher gère son terrain. Hein. Je pense que. Voilà, là, il y en a deux qui n'ont pas répondu, mais c'est dur. Théo a appelé avec sa sélection Nigeria. Il est convoqué avec la Nigeria. C'est parfait. Après, on a le vrai pourrait penser à au promu de se maintenir. 19 qui gagne 2-1. Oh putain, Galbar qui gagne la Mayence 3-1, 3-0, pardon. Stuttgart qui gagne 1-0 face à Bielefeld. Fnac qui gagne 3-2 à Borum. Wolfsburg qui gagne 1-0 face à Wolfsburg. Et Bayern Munich gagne 3-1 contre Fribourg. C'est serré pour le classement. Bon, allez, alors. Boss des joueurs. 22 ans, ça c'est observé. Karius, on va l'observer. Ah, Karius, l'ancien de. Ah, il est Loris Karius. Arthur, on va pas le prendre, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Joris Yannon de Villarreal. Ça, c'est pas ouf. Ça, c'est pas mal. J'ai observé lui. Et lui, c'était un joueur d'Everton. Et ensuite, on a qui encore comme joueur? On a vu ça. Ah, ça va, c'est 6. Et lui, c'était un Autrichien. Allez, on va jouer colonne. Alors, voilà, c'est bon. Romain peut jouer 45 minutes, lui aussi peut jouer 45 minutes. C'est parti pour le premier match face à. Un deuxième match, pardon. Je suis dans l'axe, on va faire ça. Allez, c'est parti, on est à domicile, on est à l'extérieur contre Cologne. Les joueurs sont fatigués, je sais. Il n'y a pas de buteur sur le. Ouais, c'est bon, attends. Allez, c'est parti pour le deuxième match, on joue contre Cologne. On est à l'extérieur, chez eux. On va dire quoi alors? Là, comme ça. Côté de vol lancé, les gars. Tac. Je crois en vous. Allez, je crois en vous, les gars. Je l'ai fait, ça. Ouais. Mais je l'ai fait. Attaque. Ok. Allez, c'est parti. Visiter. Ouais, bien joué. On y va, on est à l'extérieur. On a colonne extérieure. Et ouais. Allez, on va demander plus pour ce deuxième match. C'est parti, les gars. Voilà, il ne fait mal ce but. 2-1.
de l'ancien Montpellierin ne fait mal et ça fait 1-0 pour Colonne. Le but de l'ancien Montpellierin, Chiniki, ancien de Montpellier. Et ça fait 1-0 pour Colonne. Qu'on perd 1-0. Bah, à la 4, à 1 minute 40, ils ont marqué cette équipe de Colonne. Ah, ils ont joué bien Colonne, regardez. Et ouais, c'est une frappe de lui, regardez la frappe du. Ouais, c'est. Ouais, ouais peut... Andreas qui peut rien faire. Ça fait 1-0 pour Colonne. Bah, Colonne qui mène 1-0. Peut-être contrer les joueurs. Hein. On va checker les joueurs parce qu'on perd 1-0. On est 9ème. Je vais tenter de contrer les joueurs de Colonne. Faut que je compte les joueurs. Alors, lui, on va contrer le joueur, l'ancien Montpellier. On va marquage, tacle dur. On va aller contrer cette équipe de Colonne parce qu'ils jouent bien. On va contrer les, tous les joueurs. On va les marquages. On va contrer les replaçants. On va contrer les replaçants. On va contrer les joueurs qui sont. Voilà. Colonne, c'est une belle équipe. Hein. Je vais faire Pessine toujours. Marquage toujours, tacle dur, d'accord? Allez, c'est parti. Et ouais, Colonne, ils sont toujours. Colonne qui nous passe. Colonne, ils sont toujours. Ils ont eu la première occasion, premier but pour Colonne, ça fait 1-0 pour Colonne. C'est dur. Donc, c'est un but comme ça. Ah, si on fait tourner, parce qu'on a un match contre. Contre le Hertha Berlin. Allez. Ah, c'est dégagé par Hector. Le 20 et Théo qu'il faut marquer. Théo. Ah, peut-être le retour. Oh non, le 20 qui fait faute. Putain, coup franc pour Colonne. Sérieux. Putain, vous marquez les gars. Oh. Parce que la touche elle est pas bonne. Putain. Bien joué, c'est contré, c'est bien écarté par le défenseur. Ah, le retour. Ah, il fait mal ce. Bien joué le 20. C'est bien tenté, allez. Eh, monsieur arbitre, il y a quelque chose, il a pacifié. Putain. Keita qui a du mal. Putain, Colonne, c'est un club de qui joue le direct, il joue comme ça. Personne le ballon, putain. Allez, corner pour Colonne, toujours 1-0 pour Colonne, qu'on est chez eux en plus, parce qu'on c'est dur chez eux. Et ouais. Et Robin, carte de danger, sera une touche pour Colonne. Tout à l'heure, on a gagné Anderlecht 3-1, là on perd 1-0, mais il faut réagir face à Colonne. Bien, reste tranquille, c'est bien le goal, tranquille. Ah, c'est pas les m'a donné. Allez. Le centre s'est dégagé. Le centre et la tête dans les bras du gardien. De Colonne, c'est dur. Hein. Ouais, hors-jeu, côté de Colonne, vite hors-jeu, ouais, je savais. Hein. Jeu Christopher. Le centre était où faut finir. Ils n'ont pas compris lui. Putain, il a failli égaliser, mais pris par le. Ouais, ils sont. Ouais, on a failli égaliser, mais c'est. Dommage. Putain, c'est quoi ce dégagement là? Putain, on avait la balle du 1 partout, il rate l'action. Et voilà. Putain. Ah bien, on reste tranquille, c'est bien le goal. Tranquille, c'est bien. Le coup franc, Christopher, à l'arrêt du gardien, il y a personne qui suit là. Personne qui suit là. Putain.
Ah, c'est mal donné ce ballon, putain. Face au-dessus pour Colonne, mais Colonne sont plus forts, mais ils sont combien? Je sais pas, ils sont combien, je sais pas, ils sont combien en ce moment. Putain, le vin est blessé. Oh là là, c'est dur. Le vin est blessé. Ah non, c'est notre meilleur joueur. Oh non, c'est pas possible. On a blessé, c'est bon. Bon, on va rentrer. C'est mieux. Baker qui va rentrer. Coup dur de perdre notre ailier droit. Qui est blessé, Baker qui va remplacer le joueur qui est blessé. Le retour, c'est bien. Ouais. C'est pas compris ça, c'est quoi ton... Pourquoi c'est quoi ton problème? Tain, il est pas bon cet attaquant qu'on l'a mis titulaire, mais le max était bon. Ouais, mais on fait un peu tourner. Bien joué là, c'est brisé. Allez, il faut finir. Théo, Théo! Oh non, il reste face à face, c'est pas possible. Oh putain, dans les bras du gardien de Colonne. Bien le goal, c'est bien. Il faut réagir les gars. Il faut réagir en seconde période, il faut réagir parce que là on est toujours. Faut réagir. Est-ce que ce ballon donné là? Bien Tino. Ah c'est quoi ce ballon Théo? Ah non, ça il est hors jeu. Il était hors jeu. Oh, Andreas qui fait sa parade, il nous sauve Andreas. Ce sera un corner pour Colonne. Il a failli marquer le deuxième but, Colonne. Ça va, c'est au-dessus. Est-ce que ce ballon donné là? Il y a le retour de Christopher, c'est bien. Allez. Oh non, Théo, il a failli marquer, c'est dommage, dans les bras du gardien. Il a failli tenter la tête, mais c'est pas assez fort. Allez, me blesser pour Colonne, ils ont blessé. Bien, Tino fait son retour. Et Baker, ah ouais, blessure pour Colonne. Il est blessé, il est blessé, nous on a blessé, ils ont blessé aussi. L'équipe de Colonne, ils ont blessé aussi, nous on a blessé. Vas-y, hors-jeu, c'est pas possible. Putain, ils sont 6ème colonne, 6ème du classement, et nous les 9ème. Bien joué Baker qui fait un beau match, mais il est remplacé à place de Joe blessé. Corner, putain. Faut tenter quelque chose. Hein. Allez, ils ont fait sortir un changement. Ouais, ça va sur le dessus. Ils ont des occasions, Colonne, sur les coups de pied arrêtés. Vous savez, hein. Jouer... Ah, dommage. Ah non, hors jeu, c'est pas possible. Putain. C'est au-dessus. Ah, la parade, Andreas qui fait sa parade. Corner pour Colonne. Ils vont pousser Colonne. Ils sont en train de nous dominer. Bien dégagé par Kedira qui carte le danger. Bien joué. Ah, c'est un peu fort ça. Putain. Bien Kedira. Et voilà. Super le ballon, Kedira. Hyper le ballon. Le retour de. Ah non, encore un blessé. C'est pas possible. Arrêtez vos blessés, putain. C'est pas possible, il y a encore un blessé. Eh ouais. Putain, déjà deux blessures.
Vas-y. Ah putain, c'est dégagé. Putain. Ils passent en arrière parce qu'ils sont aux piscines, l'équipe de colonne. Et ouais. Et voilà, tu vois, ça c'est donné, ça. Putain. Allez, corner, putain. Et ouais. C'est pas possible. Ah, c'est Christopher qui carte le danger. C'est bien. Il y a Andreas, tranquille, c'est bien. Allez. Il reste 3 minutes parce qu'on a deux blessures. Hein. Quoi? Pourquoi il marque le deuxième but? Il est tout seul, le mec, il est tout seul. Putain, il est tout seul en plus. Hors-jeu. Ah, bah, peut-être refusé. Potion de hors-jeu. Il était hors-jeu, lui là. On va peut-être tenter un truc, on va jouer passe rapide, on va peut-être engager. On va rester comme ça, bon on va tenter. Attends, on va tenter. Il est hors jeu. Putain. On va tenter de tenir les coups arrêtés, on va centrer de force. Et on va jouer sur les côtés parce que. On va sur les côtés parce qu'on n'arrive pas à trouver la faille. C'est bien écarté, en plus on a un blessé, mais il y aura deux blessures. Hein. Ouais, touche, ouais, il y a deux joueurs fatigués, Paul Wan et Keita sont fatigués. On les fera sortir. Hein. Ouais, Baker qui est hors jeu, c'est pas possible. Il était avec vos hors jeu là, c'est pas possible ça. Hein. Putain. Bon, on n'a pas de chance. Bon, on va sortir. Bon, on va sortir qui? Bon, on va sortir Powed, en faire rentrer Paul. Oh, Paul qui va rentrer. Hein, parce que là. Paul qui va rentrer au milieu de terrain. Keita, comment on va le sortir aussi? Keita qui. Non, Keita, je vais sortir Keita. On va rentrer le petit japonais. Est-ce qu'on fait rentrer le japonais? Ouais, le japonais qui peut jouer. Le japonais qui va rentrer à gauche. Voilà. Qui dira qu'il va rester sur le terrain. Hein. On fait trois changements. Parce que là, j'en fatigué. Et on va peut-être motiver les troupes parce qu'on perd 1-0. Il faut réagir les gars en seconde période. Bien Paul qui récupère si bien. Et voilà, Christophe qui se fait avoir par le layé. Bien Paul qui fait un tac. C'est bien Paul qui fait un tac aussi. Colonne, ils ont même blessé. Et ouais, nouvelle blessure pour Colonne. Bien, le retour, c'est bien. Ouais, ça va, c'est à côté. Ils ont fait marquer deuxième but, l'équipe de Colonne, mais enfin qui rate la balle du 2-0, l'équipe de Colonne. Il y a Christophe qui fait ce retour. Ah, et pourquoi il met un corner? Il faut dégager. Oh Christopher, faut dégager un peu. Pourquoi il met un corner? Ouais, ça il se bat Christopher, c'est bien, il défend. Ah, c'est quoi ce ballon donné? Ah non, ça. Quoi que ce soit? Ah, il est blessé. Ah, il y a encore un blessé pour Colonne. Il y a encore un blessé. Ouais, ils ont toujours des blessures. C'est quoi ce ballon donné là? Ouais, c'est bon, 2-0 pour Colonne, ça casse les bonbons. Il y a une blessure pour Colonne, il met 2, et Colonne qui met, on met 2, on perd 2-0 à Colonne, c'est dur. 2-0 pour Colonne. C'est compliqué. 2-0 pour Colonne.
Ça fait mal, ce but nous fait mal. 2-0. Ah ben, nous fait mal ce but. Voilà, 2-0. Ça dégage. Colonne qui est plus fort que nous. C'est compliqué. Titain. Oh les gars, oh. Tiens, c'est pas possible ça. Critiquer. On va jouer plus direct. Hein. Parce qu'on perd 2-0, mais voilà. C'est la vie, les gars. On perd 2-0. Bon, on perd 2-0 à Colonne. C'est chez eux un peu. C'est dur chez eux. Très dur. Et ouais. Ouais, parce qu'après on a un match contre le Hertha Berlin, mais là on fait tourner, mais on perd 2-0. C'est honteux, les gars. Tiens. Bien qu'il dira, c'est bien. Ouais, ben c'est dommage. Après on a un match contre le Hertha Berlin, le derby. Hein. Putain. Bien Becker. Sandro Théo contre et corner. De réagir, bah, il reste du temps parce qu'on faut réagir, faut revenir au score, faut revenir là. Le corner, ah, c'est dégagé, putain. Putain, on passe 9e, ils sont 6e, tranquille, 6e du classement, Colonne, 6e. Ouais, ils sont supérieurs à nous parce qu'ils sont 6e. C'est quoi ce centre? Baker qui fait un bon centre, c'est dégagé. Il faut finir. Oh là là, il rate sa tête, lui, c'est au-dessus. Putain, c'est pas possible. On n'a pas trouvé la faille face à Colonne. On n'a pas trouvé la faille. Eh ouais. Ouais, en plus, ils sont supérieurs à nous, mais ça c'est supérieur. Putain, c'est quoi ce ballon donné là? On a bien joué face à Anderlecht et là on joue mal face à Colonne. On est à l'extérieur, mais c'est dur. Oh non, la connerie, voilà, 3-0 pour Colonne. Putain, le doublé de ce joueur, il me fait mal ce but. Et voilà, 3-0 pour Colonne. C'est pas possible, les gars, oh. Putain, ils sont tout seuls. C'est pas possible, 3-0 en 3 minutes. Lui qui a centré. Ah, c'est Christopher qui fait la connerie. C'est bon, 3-0, bah ça dégage. 3-0, putain. Eh, vas-y, 3-0 pour Colonne. C'est bon. Kitchiké, c'est pas possible. Ah, 2-0, 2-0, maintenant 3-0. Il joue mal. Hein. T'as changé quelque chose. Ah, allez. Ah putain, je crois que je vais changer. On va rester comme ça parce que là on a bien joué. Avec Kedira qui est fatigué. Tacle le moins toi, tacle le moins. C'est pas possible, on a cassé 3 buts déjà. Un sur une frappe de balle et là ils ont marqué 2 buts. En plus, Colonne sont supérieurs à nous. Hein. Ils sont 6ème et nous pour l'instant 9ème, c'est pas facile. Je crois que je vais laisser cette tactique là, mais on va peut-être changer. On l'a bien joué avec cette équipe de. On l'a bien joué Anderlecht, on reste sur la même tactique. Parce qu'on avait joué contre Anderlecht, on l'a bien joué, mais là. Parce que Colonne, c'est pas pareil. Colonne, c'est une équipe de Bundesliga, je crois. C'est dégagé par Paul qui carte le danger. Putain. Eh ouais. Bon, Kedira va sortir. Kedira qui va sortir. Kedira qui va sortir, je crois, les gars. Kedira qui va sortir. On va rentrer le Kevin. Christopher, on va pas sortir parce qu'il est déjà fatigué. Alors, on va sortir le petit Théo. On va faire rentrer l'autre Kevin qui va rentrer. On fait des changements. On fait tout pour le tout. Et ouais. Ah, c'est quoi ce ballon là? Ah, mais lui qui est fatigué. Bon, mais lui, on va. Oh, pourquoi Christopher fait en fait? Mais Christopher aussi fatigué. On va laisser Christopher. Bien, Christopher, c'est bien. Peut-être pour sauver. Bah. Oh. Ça, c'est bien joué, ça. Ah, ce sera un corner. Non, c'est sauvé. Putain, sauvé par la défense. Bien, Baker. Baker, et le but! D'Andreas, on va score, c'est bien. 3-1. On sauve l'honneur.
On sauve l'honneur. 3 buts à 1. On sauve l'honneur. Et voilà, ballon perdu par l'autre. Regardez. Et Bekio qui fait un bon centre pour la reprise du vrai 9. Et ça fait 3-1. On revient 3-1. Parfait. Bien joué. On revient 3 buts à 1. Parfait. Mais il reste 2 buts à marquer pour revenir dans ce match. Ouf. Nous sauve l'honneur, c'est bien. Allez. Putain, le retour. Oh là 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 là. Ah, il reste 2 buts à marquer pour revenir au score. Allez. Ah putain, c'est dégagé. Hors jeu, on va peut-être tacler moins. On va tenter un truc, on va attaquer le joueur qui est en moins là. On va tenter. Attends, je vais faire un truc. Lui, je vais tacler dur. Bon, lui, on va tacler dur le joueur. Parce que lui, on va tacler dur parce qu'on va taire le mauvais pied. Allez, on va confirmer tout ça. On va tacler le dur des joueurs. Mais voilà, on peut réagir face à cette équipe. Allez. C'est bien joué. Allez. Allez. Oh putain, la frappe a été déviée. Putain, c'est contré. Putain, eh ouais, pas de chance. Hein. Bien, Andreas. C'est bien, mon goal. Enfin qu'il arrête la frappe. Enfin qu'il arrête, c'est bien. Allez. Il faut marquer 2 buts de plus pour revenir au score. Eh ouais. C'est quoi ce dégagement là? Putain. Oh, le retour de balle, c'est bien. Bien joué ça. La frappe de Baker contrée. Et ce sera un corner. 3-1 toujours pour Colonne. Le corner s'est dégagé. Putain. Mais c'est quoi ce ballon? C'est quoi ce ballon donné là? En plus il était hors jeu, le Christopher qui était hors jeu. Et ouais. En plus Colonne 6ème. T'as Christopher qui est déjà averti. Tacle moins toi. Tacle moins s'il te plaît. Voilà, tacle moins. Ouais, ce sera un corner pour Colonne. Ben, 3-1, ben, il reste 2 buts de retard. On a 2 buts de retard sur Colonne. 2 buts de retard. Ou Christophe carte le danger. Putain. Ah ouais, mais Colonne c'est une équipe de. Une équipe forte. Une 6ème du classement, mais c'est dur. Ouh là là là, bah de 4-1, mais c'est au-dessus. Bah ils ont failli marquer le 4ème but, Colonne. Et ouais. Putain, c'est quoi ce ballon donné là? Putain. Bien joué ça. Putain, c'est quoi ce ballon? Bien le retour. Oh, le retour. Corner. Toujours pour Colonne. Ah, c'est dur. Hein. Oh là là, il se fait marquer un 4ème but. C'est dangereux, c'est coupé arrêté de Colonne. Hein. Très dangereux, c'est coupé arrêté de Colonne. Et ouais. Putain. Et ouais, et on n'a pas trouvé la faille parce que l'autre ou le 20 est blessé. Coup de perdre ce joueur parce que c'est notre jeu important de l'effectif. Et vas-y, hors-jeu, encore des hors-jeux. Putain, hors-jeu. Putain. Ah, c'est compliqué pour récupérer la 6ème place parce qu'on est à. Ouais, ils ont 20 points et nous là, à 14 points. C'est compliqué pour récupérer l'Europe. C'est compliqué, je crois, d'être européen. Oh là, c'est dégagé, putain. Il donne 6 minutes additionnelles. Ah d'accord. Allez,
Oh non, c'est quoi cette reprise là? Et ouais. Ouais, dommage qu'on perd contre Cologne, c'est ouais, c'est une perte 3-1, c'est dur. Voilà. On a sauvé l'honneur par notre attaquant qui marque, sauve l'honneur. Mais normal, hein. C'est ouais, c'est dur de récupérer là. On est pour l'instant, être européen, c'est compliqué. Être européen, c'est compliqué. Allez, corner. Toujours 3-1. Ouais, mes colonnes sont 6ème. Pour l'instant, il faut occuper là. Il faut être 7ème. Oh putain, c'est dégagé. Oh là là. Putain, il reste dessus. On va s'inquiéter, les gars. 3-1 à colonne. Ça va être compliqué. Ouais, mais c'est dur. Donc, c'est mieux comme ça par. Ah, c'est quoi ce ballon là? Oh, c'est ballon trop fort ça. C'est donné ça. Ouais, Christophe qui est fatigué. Il a tout donné. Et ouais, un peu sur super à nous. Allez, tranquille. Corner, putain. Ouais, c'est Colonne, c'est une belle équipe, mais ils sont 6ème. Ouh là là, bien dégagé par Robin. C'est terminé. Défaite face à Colonne, 3 buts à 1. Et ouais, défaite face à Colonne, 3 buts à 1. Colonne qui s'impose. Coup dur. Les buts d'eau fait mal, mais Levin est blessé. Voilà. Je vais dire, on est. On n'est pas. Bah, ouais, bah, ouais, je suis désolé, les gars. Ouais, ils sont modifiés, on s'en fout. Je vais répondre bon, déjà. On va dire. Je vais dire. Tac. Je vais dire. Tac. Et ouais. J'ai rien à dire, les gars. Bah, 3-1, c'est une défaite. Hein. 3 buts à 1 colonne, c'est une défaite. Dans les motifs, parce qu'on n'avait pas trouvé la faille, c'est compliqué. Hein. Et ouais, défaite, c'est dur. Je vais claquer la porte, qu'on perd 3-1. Pour l'instant, on est. Oh là là, on est 6ème, 20 points. Ça fait combien déjà? Ça fait beaucoup d'avancement. Ils ont nous à 4, au 9ème et 14 points. Ils ont 20 points, colonne. 20 points. Pour l'instant, 20 points, 20 points. Pour l'instant, on perd 20 points. Alors, ça fait combien? 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ça fait 6 points de retard sur la. Ça fait 6 points de retard sur colonne. Tu vois, 6 points de retard sur colonne et sur Wolfsbourg. C'est dommage. C'est une défaite, c'est dur. Colpeuf s'est fait renvoyer par Saint-Etienne. Colpeuf s'est fait renvoyer par Saint-Etienne. Voilà, la blessure de Levin. Et Levin blessé. Oh putain, on perd Levin blessé. Orteil cassé. Côte cassée. On va l'envoyer au médecin parce qu'il est blessé. Il est blessé dans 7-7. C'est notre joueur important. Il est bon blessé. 6 semaines, il est blessé lui. Reviens vite, Levin. Levin qui est blessé sera pas là pour le prochain match. Il jouera pas contre Berlin. Ça, c'est l'entraîneur de Colonne. Il nous a battu lui. Hein. Défaite, enfin, on va voir le calendrier qu'est-ce qu'on a fait. Voilà, on va vous montrer les matchs. Là, on l'a bien joué. Ah, on joue le 20. Ah, ouais, on a une très intéressante. On a perdu Colonne 3-1. C'est ça, on a gagné en direct 3-1. Là, on perd 3-1 à Colonne. Ouais, c'est nul. Et là, on va jouer le Hertha Berlin. Le derby de Berlin, ce sera dans 13 jours. Ce sera le derby de Berlin. Pour l'instant, ils sont 16e. On n'a pas dû répondre. Un adjoint qui reprendra ma place parce que j'ai pas envie de répondre aux journalistes. Ouais, notre adjoint qui dit hommage à lui. Mais qu'est-ce qu'il y a toi? Tu vas être. Ah, il veut pas. Il va être prêté, Cédric. Règle le problème, s'il te plaît, mon gars. Christopher, règle le problème, s'il te plaît. Ah, il va être prêté, d'accord. On va te prêter, mec. On va te prêter. Cédric, peut pas me rejoindre. Non, non, non. Ouais, bien sûr. Des beaux soleils, là, j'ai. D'accord. On va te prêter, mon gars. Bah, Cédric, tu vas être prêté. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Je pense de peut voir la peine. Mais oui, bien sûr. Le don de permis d'être prêté pour pouvoir jouer. Ben, tu vas jouer, mon gars. Tu vas être prêté. Tu vas partir en prêt, c'est bon. Tu vas pas en prêt, toi. Bon, ouais, on va le faire partir en prêt parce qu'il joue pas beaucoup. On va l'envoyer en prêt parce que. Cédric, il va partir en prêt. On va peut-être le proposer en prêt. Non, pas que son achat. Titulaire. Est-ce que tu veux, mon gars? Tu pars en prêt, c'est bon. Tu t'en vas en prêt, hein, c'est bon. Alors. Putain, on a perdu contre le Colonne 6ème. Oh, ils ont gagné eux contre Francfort 2-1. Ils gagnent contre Francfort 2-1. Ouais, ils ont gagné 2-1. Et Berlin qui a fait 0-0 contre Colonne. Le Berlin, Colonne, et Berlin sont 17e avec 8 points.
Et nous, une 9ème avec 14 points. On revient à... Ouais, si on gagne 7ème, on joue la Conférence League, 7ème place. On est pas loin de la Conférence League. Hein. Parce que 7ème place, c'est pour jouer la Conférence League. 6ème, c'est pour jouer la Ligue Europa. Et 7ème place, c'est pour jouer la Conférence League. Ça, c'est quoi ça? Ça, je l'ai fait. On va faire peut-être deux matchs. Vice-versa, hein, deux matchs. Ah, lui, il sera pas là. Oh, il sera pas le prochain match contre la Ligue Europa Conférence. Il sera pas là pour le prochain match. S'il sera pas là, il sera blessé. Et ouais. Dommage. Les dirigeants sont en C+, c'est pas mal, mais c'est chose qui arrive. Aucune offre. Aucune offre pour lui, d'accord. Il veut pas partir. Allez, ouais, aucune offre. Bon, on va retirer la liste des prêts parce qu'il veut pas. Il n'y a pas d'offre. Pas d'offre de liste des prêts. Bah, je pensais qu'il pouvait être prêté, mais. Moins dommage. Allez, on va avancer un peu face au Hertha Berlin. On a une trêve internationale. Hertha Berlin, ils sont 17e, nous on est pour l'instant 9e. Mais voilà. Poste des joueurs, c'est quoi ça? 29 ans, c'est pas ouf. Ça, c'est pas ouf. Ça, c'est pas ouf. Voilà, ça, c'est pas mal le Sporting. Ça, c'est pas mal, il joue du côté de l'Argentine. Ah, y a pas le soleil. Ah, et en plus, j'ai le soleil dans les yeux, c'est pour ça que j'ai levé les lunettes après. Je peux enlever ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme truc? Mauvais pied, ouais, je sais ta question. Ouais, il sera pas là mon prochain match, risque de blessure, je sais. Risque de blessure. Ah, lui blessé, oh putain, lui blessé, oh putain, blessé 2 jours, et ça c'est pas grave, un 2 jours ça va. Un 2 jours pour le défenseur central. Ouais, mais le skin n'est pas. Ouais, le skin il est pas mal, le skin il est, enfin, le skin, il est pas mal, mais je sais pas pourquoi ça marche pas. Ah, on est en 10 novembre 2021. Ah, y a rien qui... y a personne qui me regarde parce qu'ils sont... ils sont pas là, je crois. C'est quoi un message? Un Max veut partir libre. Un Max il veut partir du club. Un Max qui partira où il veut. Et ouais, on a gagné Anderlecht 3-1. Là on perd contre Cologne. Hein. Là on va jouer le derby pour Hertha Berlin. On va le derby à Garcia qui propose par Garcia. Ah, c'est pas mal. Face à ça, c'est combien? Ouais, ouais c'est pas ouf ça. Pas ouf. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas ouf. Ça c'est pas mal. Il joue du. Ah, il est pas mal lui. Le Valos. Attaque roumain, pas mal. Lui il est pas ouf. Lui, il est pas mal. Et lui, je l'ai observé par. Je l'ai pris avec Crystal Palace, ce joueur argentin à 18 ans. Mais ouais. Est-ce que j'ai reçu un commentaire sur le chat? Non, ça parle pas, je crois. J'ai pas reçu de commentaire, voilà. Ah, Baker, très bon. Baker 6-8, c'est pas ouf avec sa sélection. Avec sa sélection. C'est quoi ça? Peut-être, je sais pas. Hein. Alors. Comme truc. Alors Vodman, ouais, c'est les joueurs qui sont... Ah c'est les... Ah, tout ça. Putain, Cédric blessé un 2 jours, ça va. Pas beaucoup de blessures. Nickel là les gars. 2h20, ça va. Ah il pose un joueur, lui il est pas mal, il vaut est pas mal le joueur. Hein. Qui la semaine c'est Keita qui est très bon entraînement, Keita qui est très bon entraînement tout comme... Fabio Schneider et le Polonais. Bon, lui, on va le... Kevin qui.
pas ouf, pas bon. Allez, il faut gagner face au derby, face au Hertha Berlin, le voisin. Après, je vais peut-être changer le skin parce que le skin il est bien, mais il est pas ouf. Il est bien, mais on voit pas le truc. Ah, il perd 5 buts à 1, lui 19, ça pas ouf. Quoi, il veut quoi? Ah, il veut partir. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Il veut partir en fait. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Il veut répondre. Qu'est-ce qu'il y a, Max? Pas dans son contrat. Il veut partir 33 ans. On accepte. Hein. Max, il partira libre. Désolé pour Max. Et lui, pareil. Hein. Fais ce que tu veux, mon gars. Tu t'en vas. On recrutera des joueurs, mais partira libre. Max, ici, à rumeur. Alors, remarquez, vous pouvez rumeur de Max pour une fois son contrat terminé. Le contrat au Berlin terminé. Tu restes là, toi. Et si on perd des joueurs importants, il faut les remplacer, ces joueurs. Hein. Bon, on prend un fin de contrat. Hein. Allez, tac. On a quoi, là? Bon, le vrai 1 pourrait prendre le camp de Max. T'as, lui, il est jamais rentré en jeu. Le joueur, il était bon avec la Norvégien. Allez, ça. Ouais, il pose des joueurs à 18 ans, c'est pas ouf. Pas intéressé. Là, je vais faire. Je peux faire un match là. Non, deux matchs. Voilà. Allez. Ah, si, y a encore. Alors on a ça, c'est pas mal. C'est pas ouf, ça. C'est pas bon. À moins, c'est pas ouf. Ah, le camarade Saint-Étienne qui est pas mal, lui. Lui qui est observé par Colonne. Après, c'est notre joueur qui nous a fait mal contre Colonne. Nous a fait mal. Ah, il joue quoi? Comme ça, il joue Hertha Berlin. Il joue en prudent. Après, je vais peut-être changer de skin quand j'aurai fini le live. Peut-être je vais voir qui c'est le meilleur skin. Je vais voir ce qui est le meilleur skin. Je vais regarder lequel est le meilleur. Ah putain. On a quoi là? Ah voilà. Ça c'est l'entraînement. Allez. Ah lui, pas ouf avec sa sélection.
Je vais voir. Attends, je regarde sur internet comme c'est quoi le meilleur skin de l'internet, je vois c'est quoi le meilleur skin, je vais regarder après. Hein. On a quoi là? Ouais. On va voir après. Allez, on va jouer le Hertha Berlin, le voisin Berlin, on est à domicile. Pour la partie. On pose des changements, on fait peu tourner parce que des gens fatigués, bon, bah, on fait tourner des joueurs. On est favori face au derby, on est favori face au derby face au Hertha Berlin, on a un derby de Berlin, voilà. Attention à Platek, l'ancien de du Milan AC. On va juste rejoindre la liste. Alors. Ouais, Hertha Berlin, ils sont 17e. Hein. Le grand. Ouais, je vais dire. Ouais. Ouais. Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, je sais. Eh ouais. Enfin, c'est des filles. Ouais, montrer à l'équipe. Ah, parce qu'on a un match contre Car. Ouais, bien sûr. Passer autre chose. On passe à autre chose, c'est pas. Arrête, avec vos journalistes là, il y avait pas de questions, journalistes. Pat Leveillant aimait les joueurs aiment bien les gros matchs. Vous savez. Je sais, hein. Allez. Calendrier 19. Allez, on avance un peu. Ça comme message. Ah, Johnson aime bien les rumeurs transfert. Allez, Bielefeld-Wolfsbourg. Bon, Keita s'entraîne très bien, Keita, on va le féliciter, Keita, très bon entraînement. Tout comme Ricky et Tino, bah, les autres sont pas. Bon, allez, il y aura Titike parce qu'il a 28 ans, il joue jamais. Allez. Oh, Wolfsburg gagne 1-0. Wolfsburg gagne 1-0 face à Bielefeld. Bah, Wolfsburg, ils sont 3ème, 23 points. Pour l'instant, il faut qu'on joue la 7ème place parce que faut qu'on soit 7ème pour en Conférence League. Là, on va jouer le Hertha Berlin. Prochaine, ce sera eux et Francfort. Et la Sitch pour le prochain live, ce sera les 3 matchs encore. Il est toujours un gros verre la vie. Hein? C'est toujours énervé. Il me fait au téléphone. Ça va jamais. Le jour où ça ira. Elle va se soigner la tête en plus. Putain. Ajax gauche. Putain. Allez, allez, on y va. Tac. Ça tombe pas bien. Là, voilà. Là, c'est bon. On l'a fait tourner. Pierre-Été, je crois avec Pierre-Été, je vais peut-être tenter. Ouais. Je vais travailler les coups Pierre-Été. Je vais travailler les coups Pierre-Été parce que. Voilà, on va travailler les touches et les coups Pierre-Été. Alors, les corners, c'est là, les corners, mais ça, les corners sont pas ouf. Les coups francs, on va laisser comme ça. Bon, c'est bon. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour le dernier match de cette vidéo. On va jouer le Hertha Berlin, le derby de Berlin. On est à domicile en plus face aux voisins. C'est parti. Allez, c'est parti pour le dernier match. De toute façon, Hertha Berlin, on fait un peu on joue contre 17ème. Pour l'instant, on est 9ème. Il faut récupérer cette place. Allez. Ouais, on va peut-être encourager les joueurs. Ouais, allez. C'est parti. Allez. Pff,
il est plus motivé le Max, hein. Il me déçoit. Ouais, les machins ont rencontré. Je vais dire facile, facile. Allez, on est à domicile. Face au Fenal. Pardon, le. Pas qui au Fenal, moi. Le Hertha Berlin, le derby de Berlin. On a un derby à gagner. Et ouais. Pour l'instant, les Hertha Berlin sont 17e, 8 points, et nous les 9e avec 14 points. Il faut revenir à 7, pour occuper la 7e place à la Stitch. Allez, c'est parti, on est à domicile face au Hertha Berlin. Et on va demander plus pour ce premier match, dernier match de la vidéo. C'est parti, allez, let's go. Je Christopher. Allez. Le centre de Christopher à la tête de Khedira dans les bras du gardien du Hertha Berlin. On poussait face au Hertha Berlin en train de pousser. Et la touche. Centre de Keita s'est dégagé, putain. Oh, le retour de Melville, c'est bien. Bien joué ça. Jouer le centre, c'est dégagé. Putain, il cherchait la tête de Baker. Le Baker qui voulait marquer aussi. Hein. Le remplacement de Levin qui est blessé. Jouer ça. Ah putain, il est hors jeu. Christopher, t'es hors jeu, mon gars. Sérieux. Putain, on est 8ème à un point de la Sitch. Allez, la touche. Allez, la touche, allez. 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 Baker, la frappe de Baker, l'arrêt du gardien. Du Hertha Berlin. Ce sera un corner. Repoussé face au voisin. Christopher pour le corner, c'est dégagé. Mais qui s'y a. Allez, touche. Et ouais, touche pour. Ouais, allez. Allez. Christopher, c'est dégagé. Putain. Ouah, wow, Baker qui fait son retour, mais il fait faute. Putain. Bien le retour de Ricky, si bien. Allez. Oh, t'es un Keita, faut se battre aussi. Bien Max, il faut se battre aussi, putain. Et ouais, c'est dur. Bien Melville. Bien joué Max. Pour Théo, et le but, ça fait 1-0. Pour le 1-0 pour l'Union Berlin face à Hertha Berlin. But de Théo. Qui marque son but, ça fait 1-0. Pour le Union Berlin face à Hertha Berlin, le voisin. Bien joué, ça fait 1-0. Belle passe de Keita qui fait un ballon, belle passe de notre maître à jouer Max pour Théo qui met un ballon piqué. Et ça fait 1-0 pour le Union Berlin face au voisin, face au Hertha Berlin, ça fait 1-0. Et en fait, ça fait 1-0. Un corner pour le voisin. C'est dégagé par Khedira, carte le danger Khedira, c'est bien. Il y a faute de Platek sur Koufranc, carton pour Platek côté Hertha Berlin. Sort de Baker, c'est dégagé. Putain, il a failli marquer le deuxième but notre équipe. Jouer ça. Allez. Ah, t'es hors jeu, Max, t'es hors jeu, mon gars, t'es hors jeu aussi. Putain. Bien le retour de Melville, c'est bien Melville qui défend. Bien joué, allez. Bien Melville, c'est bien.
Voilà, c'est bien. Pour l'instant, on mène en 0 face aux voisins. Le centre, la tête de Théo sur la barre. Putain, ils avaient un recul de 0. Et là, tu es sur la barre, Théo. Et ce sera. Oh non, ce sera dans les bras du gardien du Hertha Berlin. Putain. Passons les 7e, les gars. 17 points. C'est parfait. Le retour de Keïta. Ouf, il rate sa frappe. C'est à côté pour le voisin qui rate la balle du 1 partout, mais c'est à côté. On est 17e avec, 17 points. On est 7e, les gars. Allez, baisser leur milieu T1 du Hertha Berlin. Il a une blessure. Le centre à la tête de Théo. Dommage, dans les bras du gardien. Dommage, il a failli marquer le deuxième but. C'est dans les bras du gardien. C'est bien joué, Ricky. Oh, bien joué. Oh putain. Que s'il y a ? Il est hors jeu. Il est hors jeu, Keïta. Il est hors. Keïta qui est hors jeu du côté de. Il est hors jeu. Bien, on reste tranquille, c'est bien. Les attaquants, ils brillent, les attaquants. Ça brille, hein, côté attaquant. Ça, c'est bien joué. Allez. Là, ça joue bien. Là, ce sera un corner. Toujours un 0 pour pour nous face aux voisins. T'as qu'elle bat maintenant 0. Le corner s'est dégagé. Allez. Eh ben, c'est bien, Baker. Ah, sur la vitre. Il y avait faute sur Keïta. Il n'y a pas faute. Il n'a pas ciblé. Oh, la frappe a été contrée. Ce sera un corner. C'est on va pour le corner. Ah, attention, c'est dégagé. Il y a quoi ? Il y avait quoi ? Il y avait main ? Ah, il y avait main. Il y avait main. D'accord, il y avait main pour un joueur. Pour Ricky, je crois. Oh, Andreas fait sa parade, ils ont pas égalisé le voisin, mais ce sera du gardien de Andreas qui fait sa parade. Et corner pour le Hertha Berlin. Derek qui carte le danger, c'est bien. En plus, c'est trop sale l'ancienne de Lyon. Bien joué ça. Bien joué. Ah, il y a faute. C'est un coup franc. Faute de Christopher. Keïta s'est contré. Ah, il est hors jeu. Keïta qui était hors jeu. Putain, il est hors jeu aussi. Il est hors jeu. Putain. Allez. Bien joué ça. Allez, Théo, contré. Frappe avec le contré. Il est hors jeu. Ah, il est hors jeu. Putain, il est hors jeu. Putain. Au 8 ans, on met dans 0 face aux voisins. Hertha Berlin, ça fait un 0. Bon. Je vais dire quoi ? Ouais, je suis content. On va rester comme ça. Alors, on va encore demander plus, puisqu'on est à 0. On est à l'extérieur, on est à domicile en plus face aux voisins. Bien, Max, il fait son tac, mais ça sera une douche. Ouais, une douche pour nous. Pour l'instant, on est 7ème. Allez, la touche. Le centre, Baker. Oh, Baker, le mode de 2-0. Beau centre de notre latéral gauche pour Baker qui a fait marquer le 2-0. Mais c'est à côté. Il y a pas de 2-0 pour nous. Le centre de Baker s'est dégagé. Putain. Allez, le centre s'est dégagé. Le centre s'est dégagé à nouveau. Bien joué ça.
Le centre. Oh Max, il garde sa tête. Max, il garde sa tête. Bah, dommage Max, il a raté la balle du 2-0. Il y avait faute sur Khedira. Il a pas sifflé. Putain. Allez. Ah, il hors jeu. Il hors jeu. Il hors jeu ce Max. Il est toujours hors jeu celui-là. Putain. Ouais, ah, Keita qui est fatigué. On va sortir. Keita qui... Ouais, Keita va sortir. Keita qui est. Qui est fatigué. On va sortir. Keita qui va sortir, je crois. On va faire rentrer le côté. On va rentrer. Haroun qui va rentrer à gauche. On prend de risques. Allez. Bien, Khedira. Christophe, ah, il voulait prendre le ballon. Ah, ce serait un corner. Toujours 1-0. Bon, pour l'instant, j'ai le 1-0 face aux voisins. On va faire sortir Keita, on va faire entrer l'attaquant là. Le corner s'est dégagé. Allez, vas-y. Oui, c'est fait. Bien joué. Ah putain, c'est dégagé. Putain, par l'ancien de l'Ajax. Bien ça, bien défendu. Est-ce qu'on se bat? Khedira, il sort. Khedira qui va sortir, mais il déçoit Khedira. Bah, Khedira qui fa... il me déçoit. 6,80. Bon, on va rentrer le petit. Hudson qui va rentrer. Baker. Non, Baker va laisser titulaire. Bon, Max. Théo va. Non, Max va sortir. Max qui. Non, je laisse Max qui fait une bad pass. Bon, pour aller, on va faire rentrer le petit Paul qui va rentrer. Bon, on fait des changements. Paul qui va rentrer. Sors, sors. Bien, hein. C'est bien le goal, c'est bien Andreas. Tranquille. Ah, il y a du mal, Christopher, façon. Bah, Christopher qui voulait donner le ballon à l'autre, mais il a perdu le ballon. Le retour de Ricky face à Plantec. Mais son dangereux, cette équipe du Hertha Berlin. Ça, c'est bien joué, ça. Le centre raté de Paul dans les bras du gardien. Paul qui voulait marquer le 2 à 0. Mais voilà. Le centre, la tête de Baker, c'est au-dessus. Putain, Baker qui a marqué le 2-0, mais c'est au-dessus. Oh, la relance, elle est bonne. Putain, c'est dommage. On va rester comme ça parce qu'on, pour l'instant, on tient le 1-0 là. Bien, Christopher. La tête de Plantex est à côté pour le Hertha Berlin. Ils sont en difficulté, le Hertha Berlin, mais ils sont en difficulté, je crois. Ah putain, allez, oh. Face au-dessus pour le Hertha Berlin, mais ils sont dangereux, cette équipe du Hertha, mais ils sont très dangereux. Je sais. Fond de Christopher et le but. Est-ce qu'il y a but? Non, c'est à côté. Là, je croyais qu'il était dedans, mais c'est à côté. Et ouais. Changement, je vais faire un petit changement. Qui c'est qui est fatigué? Ouais, sortir. Théo va sortir. On fait entrer Kevin. Qui va rentrer? Bon, on fait un changement. Bon, qui va sortir aussi. Et je vais sortir Ricky, qu'on n'a pas vu. On fait rentrer
Le petit Chino qui va rentrer. Allez, Chino qui va rentrer à sa place. Allez. Attends, je vais gagner du temps parce qu'on met 2-0. On va gagner 1-0, pardon. On va gagner du temps, les gars. On va gagner du temps parce qu'on met 1-0. Allez. Il joue Baker. Alors, Kevin qui est hors jeu. Il est toujours hors jeu, celui-là. Kevin est toujours hors jeu. C'est pas possible. Eh ouais. Ah, si l'autre a fait un carton. Bien Christopher, si bien. Ah putain, il se bat. Bien Christopher, encore, encore, encore. Ah, hors jeu. Il est hors jeu. Il était hors jeu, Max. Eh ouais. Avec un but additionnel, toujours 1-0 face au voisin. Et Max est perdu. Et Max, il a du mal. Hein. Allez, bah, allez. Le centre s'est dégagé. Ah, c'est quoi ce dégagement? Ah, c'est un bon centre, mais il n'y a personne qui coupe. J'ai joué ça. Ouais, c'est quoi ce centre que tu... C'est quoi ce centre que tu... C'est quoi ce centre là? Bien joué. Ah putain, dégagé par Bouyata. Putain, c'est encore dégagé. Putain. Bien, Chino qui carte le danger. C'est bien défendu ça. Ce sera trop fort ça. Ce sera un corner. Il reste 2 minutes en additionnel, toujours 1-0 pour nous face au voisin. Il y a Tino qui carte le danger, c'est bien Tino. Il reste 8 minutes, les gars. Ça va, c'est tranquille. Bien, bien mon goal, bien Andreas. C'est bon le goal, c'est bien. Allez, il faut dégager devant parce qu'on va s'imposer face au voisin. Et c'est la victoire 1-0 face au voisin. On bat le voisin 1-0. But de notre attaquant Théo. Bien mon gars, bien, bien victoire, c'est bien. Bien joué les gars, bien victoire face au voisin. Un petit 1-0 de famille. Ça fait 1-0, parfait, c'est bien les gars. Ouf, on respire les gars. Ouf. Enfin on a gagné, c'est bon. Yes, la victoire. Le mauvais résultat de Hertha Berlin, ouais, je vais dire, on va pas pour chercher la victoire. Je vais dire très heureux. Et pour l'instant, on va les résultats. Ah, il y a personne qui a fait 0-0 contre le Borum. Ah, Gladbach gagne 3-0. À Cologne, ils ont perdu à Mayence 1-0. Merci Mayence qui gagne 1-0 à Cologne, à contre Cologne. Fort qui gagne 1-0 à Fribourg, ils nous gagnent 1-0. Pour l'instant, au classement, on est toujours Dortmund à 31, ils ont 27, 25, 24, 23, 23, 20, 20. Et on revient à 18, 19. On revient à 3 points de la de Cologne. 3 points de Cologne parce qu'on est à, nous on est 7ème avec 17 points. On passe à JG avec 16 points et nous à 17 points. On a 3 points de retard sur, sur Cologne. Pas mal. Allez, on va s'arrêter là. On va voir un peu ça. Bon, on regarde le derby, c'est parfait. Le vrai grand pression face au Union Berlin. Alors, je vous dis les questions, les gars. Je vous pose la question. Ah, si, dis-moi. Le vrai entraîneur parce que je le vais un au nombre des supporters de 20 matchs de la tête de l'équipe. Nous avons très bien du classement 11e victoire. De partie de montée, la confiance de part de lui, de par le club. Les dirigeants de Union Berlin, comme présenter le club du Bundesliga pour travailler de ses seins. Les dirigeants de Union Berlin pour terminer la saison en beauté. Pour un bon parcours ici. Après Marc, les dirigeants de Union Berlin pour recruter des joueurs pour confirmer les joueurs en forfait. Et là, on regarde, c'est marqué. Le style de Pat Levray, le 1, pourrait un
un contre-attaque pour être positif de chez les supporters de Ini. Ok, c'est pas mal, hein. C'est l'entraîneur de qui ça? Ah, ah l'entraîneur de eux, ok. Oxavé par Baker. Allez, on passe juste aux journalistes en question. Alors, pourriez-vous. Je vais dire quoi, les gars? Je suis content. Je vais dire. On va dire toujours pareil aux questions. Il a été énorme. Il était énorme, le joueur. Je vais dire comme ça. Je vais répondre juste aux questions. Le compte de fées, on va dire, c'est bouffée d'air. C'est bouffe d'air. C'est pas. Ah, ça c'est content, tu vois. C'est bien. Allez, on va jouer. Oh, on va voir. Résultat, ouh, le Bayern qui gagne à Augsbourg 2-1. Bayern qui gagne 2-1 à Augsbourg. C'est le Bayern qui gagne à Augsbourg 2-1. Voilà. Ouais, bien sûr. Alors, c'est gagné ce match. On a perdu contre Cologne et on a gagné Anderlecht et le derby de Berlin. C'est ça, c'est bien. Allez, on va avancer un peu. Tiens, je vais peut-être. Je vais voir si je vais regarder les skins qu'il y a dans le. Comme skin il y a. Je vais regarder sur l'ordinateur. Qu'est-ce qu'il y a sous skin. Déjà sont. Ah, déjà B-. Déjà sont contents de votre. On va de l'équipe. Ok. Déjà sont contents parce qu'on est en B-. D'ailleurs, on est en C+. Là, on est en B-. Parce que là. On joue bien là. Alors là, c'est bon. Ok. Allez, on va jouer. À. On va sortir, les gars. On fait dans la site chez Dortmund Stuttgart. Comme ça, 4 décembre, c'est contre la Stitch, ce sera le 4 décembre contre la Stitch, ce sera pour le prochain live avec eux extérieur et Francfort et la Stitch. C'est des gros tests hein, face aux deux gros. Parce qu'eux ils sont 4e dernier, eux ils sont 9e, Francfort c'est 9e. Et la Stitch ils sont pas loin. Ah il met Christopher lui, Zemmour c'est lui que. Ah, on va pas le prendre. Hein. Ça c'est quoi ça? Ah il joue comment hein? Il joue au positif, il joue en prudent, ok. Ah, il est qui là? Attends. Ouh la Stitch qui perd tranquille, la Stitch qui perd. La Stitch qui perd 1-0, Fnac gagne 1-0 face à la Stitch, la Stitch qui perd 1-0 face au final. Et Dortmund gagne 3-0 face à la personne, la Stitch qui perd, ça fait. La Stitch qui. Enfin la Stitch qui perd contre au final. Et Dortmund qui gagne. Parfait. Enfin que Dortmund c'est la Stitch au final qui gagne. Bien que voilà 3-0, bah ça c'est quoi ça? On va faire peut-être un petit truc. Mon tactique, on va faire deux matchs. Ouais, on fait comme d'habitude, deux matchs. Voilà. J'ai changé le skin après. Ça c'est son joueur qui a été prêté. Ça c'est pas mal. Voilà, oh putain, j'ai perdu quelque chose, excusez-moi. Ok, là, ah, une pause des joueurs, lui, il est pas mal, on l'a vu, lui, on l'a déjà observé, lui, on l'a déjà observé, lui, là. Attendez. Oh putain, j'ai pas attrapé la souris, c'est pas grave, je suis tombé le truc. Allez, on va avancer un peu, on va s'arrêter les gars, je vais chercher mon portable pour la photo des résultats et du classement. Et voilà, on va se laisser là, je vais tenter d'échanger le skin avant de chercher. La meilleure équipe, c'est Melville et le Polonais, très bon, bon entraînement, ça va. Je vais laisser ce comme ça, je vais laisser comme ça les coups francs. Tiens, les coups francs, on va tenter comme ça. Lui, supprimer les coups francs possibles, on va tenter. Ah, je vais essayer de tirer les coups. Je vais laisser comme ça. Voilà. Nombre de blessures, c'est bon. Bah, il revient dans 2-3 semaines. Notre Melvin, blessé. Il est blessé. Allez, il est blessé lui. Il est au médecin. Ah, mais c'est pas ça que je voulais faire. Mise à jour, c'est bon. Voilà. Allez, on va avancer un peu. Ça c'est pas bon, ça c'est pas ouf ça. Ça c'est pas mal, il joue à Brescia. Lui c'est un joueur qui joue, voilà. Bon, Douda. Ça c'est pas mal. Ah, fin de contrat. Ah, il y a un joueur libre en fin de contrat, c'est qui ce joueur? Peut-être l'observer lui, on va peut-être l'observer lui. On va déjà observer lui.
Un bulgare. J'ai observé. Pas ouf. Observé. 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 Voilà. Ça, c'est déjà que sont observés. Parce que là. Si je prends un milieu de terrain, alors on va regarder les gens qu'on a. Et c'est normal. Allez, on va avancer un peu le. On va avancer, les gars. Jusqu'au là. Qu'est-ce qu'il me propose? On va voir ça tout de suite. Ah, il me pose des changements. Alors, Boudek à la place de Baker, titulaire. On est favori contre eux. Voilà, lui est bon. On va plus répondre. Voilà. Allez. Ah, il me pose Joe Polo. Attends, je vais sauvegarder la partie, les gars. Je vais sauvegarder la partie, je vous l'ai. Le prochain live, on reste. Je crois que le skin, je vais laisser comme ça parce que. On verra ça. Mais le skin, il est pas mal. Mais voilà. Alors, je vous montre dans le prochain live, les gars. Je vous montrerai le prochain live qu'on va jouer. Le prochain épisode, ce sera le match contre. Le prochain live, on joue eux. Contre un gars de Kazakhstan, 4ème. Après, ce sera Francfort. Alors, le prochain live, ce sera deux matchs à l'extérieur contre eux et Francfort et Lasic. Ce sera trois matchs pour le prochain. Alors, Francfort, ce sera combien? 9ème. Lasic, 8ème. D'accord? Le classement, les gars. On est 7ème avec. 7ème, on est 7ème avec 3 points de retard sur Colonne. Pas mal. Je vous en prie, le classement. Bon, je reviens, les gars. Là, je reviens. La photo de Discord. On va voir ça tout de suite, les photos. Qu'est-ce qu'il m'envoie ça là? Ah, c'est mon forfait, d'accord. Attendez 2 secondes, juste envoyer les photos. Attends, je vous envoie le classement. Je vous envoie le résultat et le classement sur. Je vous envoie sur Discord. Ça va aussi. Alors, classement, c'est là. Ici, ajouter. Et je vous envoie le classement, d'accord? Allez, tac comme ça, classement c'est là. Voilà, parfait. Allez. Les gars, je vais vous laisser jeudi prochain. Alors, merci beaucoup, je vais vous laisser les gars. Prochain live, ce sera demain. Pas ce soir, ce soir il y a l'OM contre Karabakh. Merci à vous, bonne soirée à tous, merci, bye, ciao. Merci à tous.